Cahors, ce perso-là, c'est Séodore, c'est le fils de Cécile. Non, même pas. On ne l'a pas vu dans Interville. Non, il n'a pas 20 ans, Théodore, là, t'hallucines. T'hallucines complètement. Je te recevrai les habits de héros. Non, c'est dans Zelda, ça. Non, il va... fais gaffe, fais gaffe. Il va te traiter de gens du con si tu dis le mot spoil. Mais le café était piégé. On s'y attendait pas du tout. Tiens d'ailleurs, je pense. Akutash! Est-ce que t'as l'impression que je dirige Cécile? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je l'ai jamais fait l'histoire. Je peux pas deviner si je vais le diriger ou pas. Lol. Foutage de gueule quoi.
Non, tu savais pas que je l'avais jamais fait, je l'ai juste dit 25 fois, mais... What? Il passe en SCJ ou... Tori, what? T'es fou de ma gueule. Il doit y avoir un effet secondaire à l'éveil. Il va falloir que j'expérimente un petit peu. Théodore, 17 ans, mort pour la science. Bon d'accord, non, c'est juste pété. Ah d'accord. Pas si pété que ça en fait, j'ai rien. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus personne là qui parle, mais bon.
Ouais, la suite de FF4 elle commence à dater un petit peu maintenant. Donc pour râler parce qu'il y a une suite de FF4 c'est un peu tard. Céline, il est... Céline, waouh. Cécile a l'air d'avoir une bonne tête maintenant. Il est vu un tout petit peu trop de profil par contre. Cécile est toujours aussi con par contre, mais bon. Cécile, c'est quoi? T'as le mâche blanc, tu veux venir avec moi? Il mâche blanc, c'est pour les tapettes! Et je contrôle bel et bien Cécile, qui est un paladin niveau 15. Paix du roi. Qui est équipé comme une merde. Ah, c'est abusé. What? Ouais, bon. Le skin en combat de Cécile fait bizarre quand même. Toujours mieux qu'avec le casque à mon avis, mais bon. Mais je suis trop con, je m'appelle Cécile, je suis un paladin et je n'arrive même pas à me rendre compte que bah, les mobs ils utilisent des ailes, ils arrivent à voler, c'est un mode 4 encore plus qu'un pour cerveau. Sérieux quoi? Mais quand même, les portes sont fermées, bah ouais mais c'est des monstres qui volent crétin. Par contre, c'est peut-être pas tout à fait un mob qui vole, mais bon. Gifle, fléau. J'aime pas les attaques surprises comme ça dès le début, mais bon.
Ouais, chaudin, vieux, prête-moi ta force, non, t'es pas là, salopard. Donne-moi ton épée. Oh putain. Ces vieux combats tout pourris. Je sais pas trop où je suis censé aller en fait. J'adore les chauves-souris qui font 15 fois plus de dégâts que les autres mobs aussi. C'est génial. Bon, ouais, je supposais que c'est pas par ici, donjon. Les zombies qui mettent 3 heures à crever. Sans intérêt. Donc je suppose qu'il faut que je passe par là. Thank you.
Ok, c'était fort en persuasion à l'époque, dis donc. Mais merde, j'ai passé dialogue, putain. C'est complètement con les flèches qui font passer le dialogue. Mon dieu, la lune. Mon dieu, il y a une deuxième lune. Salut papa. Oula, trop les cosa que rien que ça. Donc tous ensemble dans la même chambre, génial. Ça va, plus on rajoute de lit et on fait croire que c'est une chambre. Tu n'es fait qu'un fort, vraiment c'était comment? Vous abusez. Ça en fait tomber mon portable. Il était déjà au courant, attends, abusez pas. Soyez pas débile. Bien sûr qu'il était au courant. Il n'y a pas une entrée secrète par ici? C'est vrai que c'est bloqué. Ils y ont pensé, les salopiers. Alors voilà. Sacrement, c'est quoi ça? Trappe dangereuse. Waouh. Ça commence à l'air d'être l'équivalent de prière, mais en mieux. Putain, largement mieux. Alors, coopération. Et c'est avec Rosa. Alors un peu. Je vais essayer tout plein de coop. Coopération ratée. C'est une coopération d'attaque avec Sid. Casse machine. Prapoupas, j'en suis dans The After Years au tout début. Ça arrive au bon moment pour The After Years. La lune est maintenant croissante. Vous remarquez que la magie blanche, du coup, elle en prend plein la gueule dans ce jeu, en fait. Genre, quand la lune est... quand c'est la nouvelle lune, la magie blanche est ramollie.
Là, quand c'est la lune croissante, je sais pas. Quand c'est la pleine lune, la magie blanche est pas touchée. Et quand c'est la lune décroissante, c'est pas touché non plus. Encore Damn! Coopération ratée. Bah, aussi tellement important. Oh, épée de lumière. Oh, oh. Me gusta. Votre casse-machine, c'est de la merde, hein, désolé. Peine. il s'est passé quoi en gros? Alors, Théodore, le fils de Cécile, est allé sur l'île Adamantine, ou Adamantium, ou juste, enfin, peu importe le nom de l'île, pour aller chercher un emblème et devenir un chevalier dans l'ordre des Ailes Rouges. Et en rentrant, ils ont vu qu'il y avait plein de monstres qui attaquaient, et du coup, là, on est à Baron en train de se faire attaquer, c'est tout. Oui, le fils de Cécile et Rosa, oui. Rayman de merde. Snake Gobert, la coopération, c'est une nouvelle action qui est disponible dans The After Years qui permet de mettre les actions de deux personnages en commun pour exécuter une attaque plus puissante. Genre par exemple l'épée de lumière que j'ai balancée tout à l'heure. Coopération ratée, tout ça pour ça. Je vous félicite pas les mecs. Je vous félicite moi encore sur le chat parce que putain ce que vous faites, enfin ce que vous dites c'est dégueulasse. Allez, l'épée de lumière là. On finisse avec la Rayman. Même pas, d'accord. Putain, je suis dans la merde. Dernière action héroïque de Cécile. Et Cécile est morte. Ça par contre, glace sur elle, je suis pas content. Je suis pas d'accord non plus.
Ah mais sérieux quoi, merde. Surtout que glace c'est pas une altération d'état qui se vire. C'est ça qui est super, c'est super lourd. Ouais. Je suis super lourd. En plus il fait des saignées. C'est abusé. C'est complètement fumé quoi. Arrête de me pomper toute ma vie, sérieux. C'est quoi ce boss complètement fumé? Putain, il y en a un deuxième qui arrive, t'sais. Je voulais pas faire select. Bourrasque, c'est complètement pété. Jaune, bleu, rouge, vert, blanc et noir. Il y a aussi doré et argenté. Qu'il y a aussi le dragon de vapeur là qu'on voit au tout début aussi de du premier FF4, enfin, dragon de brume pour être précis. Tu prends les couleurs de Pokémon et t'as les couleurs de dragon là. Presque presque presque. Bon, Strato Eevee c'est assez lourd. Tiens, un bras de bambou. T'aimes ça? Ah ouais, t'as l'air. Ah, mais stop avec ce sort, putain! Non, si, il va mourir, Iroh.
Genre la meuf Bahamut et sa biatch. Nope, 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 nope. Nope, nope. Ah ah! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Ouais, c'est bon, il a passé du test d'attaque, je peux le buter. Un vrai paladin en gagne son épée? Non? Pas ça la technique? Ah merde, 5, 4, oups, 9, t'as plus que 28 000 HP, je peux le faire. Fuck. Vous voulez une bonne blague? Rimujalite a planté. Que j'ai pu mettre en pause. Aïe 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 Bahamut, ça me plaît. Juste qu'il est un peu rouillé, ouais. Oula, le skin de Ridia a pas mal changé aussi. Cherchez pas, Bahamut, c'est sa biatch.
Non mais sérieux quoi, what the fuck? Alors, une toute petite seconde, je change rapidement un truc dans le titre du live. Je pige que Puik au scénario pour le moment. Genre ils me spawnent dessus comme ça les mecs. Quel aspect. Ça c'est pas censé être de son level. Bon. Hein? Hacha! Ninja! On se demande qui c'est, dis donc.
Il a connu rejoint l'équipe. Ouais. Il compte s'appeler l'inconnu combien de temps à peu près là? Parce que bon, j'ai déjà grillé qui c'était, mais bon. Enfin, tout le monde a déjà grillé qui c'était. C'est quelqu'un qui a pas grillé qui c'était, qui se prononce ou qui se taise à jamais. T'es là, oui, bien sûr. T'es là. C'est ça. T'es là, bien sûr. T'es là. Oui. C'était là, bien sûr. Bien sûr, c'était là. Bah, c'est pas tu là, hein. Non, c'est pas tu là, non. Sanzo, moi je sais que tu sais pas écrire, je sais pas qui c'est. Ok. Si, ouais, si, si. Non, je confirme, cette fois tu sais pas écrire. C'est pas moi qui ai vu une faute là où il n'y en avait pas. De Soren, si c'est juste qu'on pense savoir, parce que moi aussi je suis pas certain à 100% non plus, mais bon, 99,99. Non, 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 si c'est que des hypothèses, on peut se permettre. Si tu connais vraiment pas le jeu et que tu fais juste une hypothèse, on peut se permettre. Une idée concours? Qu'est-ce que tu racontes encore toi avec ta bouche? Gordon et Edward, faudrait déjà que je cherche lesquels c'est. Ah oui. Oh putain, c'est une bonne question. Je suis useless. Entre les deux. Voyons voir. Et paf, Porom. 17 ans plus tard. Oh putain, elle a changé de gueule. Ouais, c'est Porom ça. Oui, pour Rome, c'est la gaming qui a un jumeau, c'est celle qui lance des magies blanches. Putain, elle a sacrément changé de gueule quand même, hein.
Alors, le chemin maudit, il est là, si je me souviens bien. Donc voici ce que Cécile et compagnie traversaient à chaque fois qu'on allait dans le chemin maudit. C'est très flashy. Paye le bordel que c'est quand même. Ok, ça ramène là. Ça ramène à entrer, putain. J'aime pas ce genre de grotte. Putain, c'est Odor qui peut raise. Il va être pété lui en endgame.
Alors, coopération ratée et coopération ratée. Moi j'aurais essayé. Oh ou bah. C'était haut. C'est un peu la merde cette zone. J'ai eu aucun coffre. J'ai pas idée de comment on peut avoir ne serait-ce qu'un seul coffre. J'apprécierais de ne pas y retourner parce que c'était chiant. Particulièrement au niveau des couleurs. On est d'accord, c'était pas fini en plus. Le mage blanc et le mage noir, ouais, c'est des randoms. Ah, mais stop les rencontres avec 25 000 meubles, là. Golden Sun 1 en un jour, je suis désolé, mais ça avait rien de compliqué. Golden Sun 2 en deux jours, c'était pas particulièrement difficile non plus. Pas le même type d'énigme. Faut pas que je fuis, sinon je vais être under level.
Je vais essayer de voir si ça fait un truc. Top of two. Ça va faire giga méga heal 5. Coopération ratée. Presque pareil. Je pense que Rewans n'est pas là, non. J'avoue que ça fait beaucoup de view de... Du coup je fais de la pub, oh là là. Inscrivez-vous sur Twitch, ça prend 3 secondes et vous pouvez parler après. Car je sais pas pour ce mob précis où est-ce que tu peux le rencontrer exactement, mais quand tu rencontres ce mob, de toute façon normalement il le lance au moment de mourir. Et s'il le lance pas, c'est que tu t'es chié. Enfin, si je me souviens bien, c'est au moment de mourir qui balance l'attaque. L'histoire des lunes, en fait, c'est en fonction du cycle de la lune, il y a différentes actions qui ont des bonus ou des malus. Donc en gros, par exemple, quand la lune est pleine, j'ai la magie noire qui est boostée, mais l'attaque qui est diminuée. Du coup, les attaques physiques font moins de dégâts.
C'est possible, ouais, car pas certain, mais possible. Il fait filtrer si tombe à zéro. Tu m'étonnes. Dieu Soren, il l'explique au tout début du jeu. Mais le cycle lunaire qui affecte les combats plus la coopération, c'est franchement pas mal. Ça fait des ajouts qui renforcent pas mal le gameplay. C'est appréciable. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là il y a longtemps, j'avais parlé d'une idée de faire un live stream de 24 heures ou plus. Donc cette idée n'est pas tombée au néant, et du coup il faudra éventuellement la mettre en œuvre. Mais je sais toujours pas quand. Oui, sur Golden Sun 1, au tout début, il n'y avait que moi et Secundes. Ouais, on est resté deux ou trois pendant quelques temps quand même. Après, on est passé à 5 ou 6 grand maximum aux heures de pointe sur la fin des Zelda. Après, je me suis décidé à faire de la pub sur beaucoup plus de forums et ça a doublé le nombre de viewers, à peu près. Troy qui s'amuse à passer de temps en temps pour dire de la merde. Il est sympa ce mec, mais bon. Vu que la dernière fois il y a des gens qui ont fait un petit peu chier, qui ont un peu trollé sur le chat, il a plus trop envie de revenir. Cette caverne n'a pas changé un pet. Genre même les meubles ont pas changé, j'ai l'impression. Piranha mode mortel. Merde, j'ai lancé sur une seule cible, je vais lancer sur au moins deux autres. Alors l'inconnu, c'est super facile de savoir qui c'est quand t'as vu la fin de FF4. Parce que si t'as pas suivi, du coup, tu vas avoir du mal à savoir. Après, ça se devine toujours. Il était recommandé à réfléchir. De toute façon, à mon avis, ce sera révélé à un moment. Mais le pire, en fait, c'est que je viens de me rendre compte que je suis spoilé par Dissidia, en fait. Surtout concernant son identité. Genre, à cause de Dissidia, je peux très facilement savoir qui c'est.
Le boss final de Final Fantasy IV, c'était Zeromus. Ou enfin Zemus, comme il l'appelle. Le nuage de néant. Non, ça c'est celui de Final Fantasy III. Bref, car non, de toute façon, c'est pas Golbez. Golbez, à la fin de Final Fantasy IV, il s'isole avec Fusoya dans la lune. Parce qu'il voulait rencontrer le peuple de ses limites. Non, les Sélénites, pas les Sodomites. Putain, vous abusez, franchement. Vous niquez tous mes replays, tous les jours. Et malgré tout, je continue de les faire, tu sais. Trouver une potion de jouvence, mais bien sûr. On va dire que c'est Fusoya. Et il a fait comment pour revenir sur Terre? Je sais pas, il a sauté. Ah, il a TP. Ouais. Il a fait LOL respawn. La lune c'est chiant, j'aime. Oui, non, mais elle TP tout le monde en dehors d'un donjon. Elle TP pas tout le monde non plus. De la lune à la terre, c'est pas le même trajet non plus. Des jumeaux qui ont fusionné, putain, vous dites de la merde. On a croisé un des deux jumeaux tout à l'heure, ça peut pas être des jumeaux. Zeromus qui est mort en incarne son fils. Non non, Young n'a pas changé de coupe de cheveux, on l'a déjà vu tout à l'heure. Pour homme qui a bouffé son jumeau. Non putain, on a vu... Ah, vous êtes con. J'abandonne. J'abandonne totalement. Non, le roi Baron c'est devenu Odin. Ouais, quand on affronte Odin dans Final Fantasy IV, c'est Baron, ouais. On voit le roi Baron qui fait aussi, ouais, je vais te prêter ma force, mais tu vas devoir t'en montrer digne, paf. On affronte le roi de Baron, alias Odin. Il dit ouais, ma mort m'a permis d'acquérir du pouvoir, machin truc. Ah, c'est que t'as rien suivi, car... Fusoya n'est pas mort, hein. Il est juste retourné dormir avec Golbez dans la lune. Au beau milieu, dans le noyau. Comme un tocard.
là. Vous êtes pas très fuite-fuite hein, quand même des fois. Ah ah, je t'ai tapé à 7, sale leader de merde. Tu souffres, hein. Et j'ai pas de tente, fais chier. Où sont les tentes quand on a besoin d'elles? Le destin m'a abandonné. The fuck. Épée normale, magie blanche down, shuriken up. Ok, donc les jutsu sont améliorés. Nice. Ouais, il a peut-être une branle de tête, mais vous êtes quand même pas très mal, hein. Ursula. Non, 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 c'est pas Ursula, non. Ouais, bien sûr, c'est un personnage venu dans le jeu. Fiche cachée de Rosa était là. Je crois pas qu'ils aient fait ce genre de choses, non. Et ils doivent venir au château de Baron. Et comme il n'y a pas de musique, on sait qu'il va se passer un truc dramatique. Théodore a quitté l'équipe. What? Vous remarquerez, on ne connaît même pas la classe de l'inconnu. Toutefois, je vous donne un deuxième indice. Il y a marqué personnage gaucher. Attaque 5. De quoi? 5 fois? What the fuck? Vous êtes vraiment débile. Non, non, Kane n'est pas mort, mais bon. Ok, personne dans les...
Pas parce que toute la lignée du côté de ta mère est gauchère que forcément tu seras gauchère et que ton fils sera gaucher aussi. Hein. Les coïncidences, ça existe. Et des fois, les coïncidences, ça frappe fort. Ah bah non. Genre il est encore en vie lui. Ah, cette blague. Louche, c'est très très louche. Non, propos pas, est-ce qu'elle aura fait un test d'hérédité, c'est pas possible. C'est totalement impossible. Non, ça a sauté une génération de sa reine. C'est le fils de Prapoupas qui sera... qui sera actionnaire chez Lucan. Pour le moment, il est toujours pas la lolilol. Mais peut-être qu'il est redevenu chevalier du Dark. C'est Gueulbès 2, tu sais. Il s'est fait attraper par Zemus 2. Je crois que ton jeu de mots était tellement merdique que je l'ai pas compris. Ben si, mais enfin non. Oui, c'est parce que j'avais compris, mais bon. Je n'aurais jamais dû faire cette blague. C'est une preuve que tu n'as pas d'honneur.
Les aspic gemmes, bien sûr, des monstres sur lesquels il faut utiliser la magie noire, bah, on les met dans un combat où personne ne peut utiliser la magie noire. Vous avez le guac là. Ah, mon deuxième verre de vin, mon MONT, joli. Le mec qui se bourre la gueule tout seul en regardant un live stream chez lui. J'ai. Alors, armée d'acier. J'ai déjà compris ce que tu veux dire, elle ne lui dit pas. Ah là 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 là, comme c'était pas du tout prévisible. Non, les ogres ça a un peu trop de points de vie. Et le coffre bien sûr était de l'autre côté. Westman. Putain, c'est de la merde. Final, oui, je crois. Pour les morts de FK. T'es là, Sophie. Alors, il me semble que c'est les deux seuls qui meurent vraiment. Enfin, sauf si on compte tous les NPC aussi qui se jettent dans le tas comme des crétins pour se sacrifier en hero parce qu'il faut tuer un méchant ou je sais pas quoi, mais... Et moi, je vais t'apporter...
Du dramatique, le pire je pense que ça va être Final Fantasy VII, Crisis Core. Au minimum pour la cinématique de fin. Parce que voilà quoi. Et le scénario en général, si vous réfléchissez un minimum tout en regardant, il est horrible. Il est horrible. Il est vraiment horrible. Non, faut pas les affronter. Elles vont me faire des altérations de ces chiens. Non. Bon, ça va. Le 6, j'y ai jamais joué, donc je peux pas faire de comparaison, moi, encore. Je verrai ça quand j'y serai en direct. C'est celle où il meurt et on incarne son fils, non ? Il était sur FE1 en slash. En slash slash. What the fuck ? What does it mean ? It doesn't make any sense. No sense at all. What the fuck, seriously, dude ? Ah, mais c'est celle avec la fin du monde, alors. Ah. Oh yes, je t'aime, petit NPC à la con, je t'adore, va en mode détente. Voilà, j'ai assez de temps pour faire tout le jeu. J'ai assez de Cut Phoenix pour faire au moins 4 ou 5 chapitres. Et ça, je sens que je vais en avoir besoin aussi. Lors de la lune croissante, les magies blanches sont augmentées. C'est donc le temps parfait pour aller battre du boss. Oui, qui peuvent trimballer 9 milliards d'exemplaires du même objet sans problème. Mais comme compte le dire Kaor, ta gueule c'est magique. Bon, apparemment il a pas dit ta gueule c'est magique, mais ça doit être équivalent. Comment ça se fait que ça tape si fort là d'un coup? Mec, juste devant le boss, ils vont te mettre des mobs craqués, d'accord. Comment ça te faire chier ce FF? Ah, sur ces meubles-là, je pouvais voler une invocation dans le FF4 normal. Mais bon, encore une fois, c'est du vol et c'est très rare.
Non, c'est pas voler, c'est mal, c'est voler, ça réussit rarement, c'est tout. Que j'en ai à foutre que ce soit bien ou mal, t'sais. Vous laissez mal, t'as bien joué à effet fuite. Oh, le méchant plus 1. Le méchant plus 1. Sur mon lit d'hôpital avant de mourir, je jouerai au FF une dernière fois avant de mourir. Au moment de ta mort, c'est ça? C'est pour accentuer un peu plus le nasme peut-être, je sais pas si c'est nécessaire. Déjà level 22 n'empêche à ce stade du jeu et les... non pas l'émulateur, je suis de la merde, je ne suis pas sur l'émulateur. Remote Joyride, pardon, avait planté. Là. T'inquiète, la société ne veut pas non plus tuer d'enfants. Ça trache. J'aime pas les critiques, je me bats. Bonjour petit coffre, une cote de maille, intéressant, c'est pour qui? C'est pour moi ça? Non, c'est pas les cas que je voulais voir, putain. C'est elle la tocarde.
The After Years, plus complet, plus complexe. Plus what the fuck, oui. Beaucoup plus. Tellement plus, beaucoup plus que c'est plus du plus. Quelqu'un dort au-dessus des PC, comme si on en avait à foutre quelque chose que Fanny était en train de dormir, bordel de merde! Oui, depuis tout à l'heure, ils essayent tous de deviner qui est l'inconnu. Et c'est des brêles! Ils sont des brêles pour deviner, mais c'est des brêles! Ça m'impressionne de savoir à quel point ils n'arrivent pas à deviner, quoi. Sur le compte de The Gaming Corp, en gros, pendant qu'il y a Secundes actuellement, là je sais pas combien de temps, chez Fanny, il peut y avoir donc Fanny. Sinon, le reste du temps, c'est que lui, c'est que Secundes. Ou sinon, quand c'est moi, je le précise apparemment, parce que vous avez du mal à vous rendre compte quand c'est moi ou quand c'est pas moi. Tiens, zéro. On va voir si la glace ça marche. Non plus. Bon bah pas de magie je suppose. Tiens. Et bien. Non, Cécile, il fait pas ses 40 ans, hein, je suis d'accord. Rosa, elle les fait pas non plus. Attends, par contre, ça m'a fait marrer Interlude comment c'était easy shit, quoi. T'arrives contre un boss, alors toi, tu crains l'éclair. Pam, 9999. Pam, 8000. Pam, la la la. Ouais mais Interlude c'est... Easiest shit I've ever done in my life. Je suis là. Why you do this? Why you do this, Cécile? You motherfucker, Cécile. Why you do this? Why you do this to me? After all I did for you, why you do this to me? Tu vois, quand je te dis que c'est des tanches pour deviner qui c'est, c'est incroyable. C'est incroyable comment ils sont mauvais.
Si t'arrives pas à deviner ça, tu mérites pas de venir sur le stream. En quoi c'est pas logique, Dieu Soren ? Je veux bien écouter le raisonnement derrière le c'est pas logique. Il devrait être plus âgé. Parce que t'arrives à deviner l'âge qu'il a en voyant son artwork, toi, peut-être. Ouais, t'arrives à deviner l'âge de Cécile en voyant son artwork. Peut-être. On dirait qu'ils ont 20 ans, ouais, c'est sûr. C'est complètement n'importe quoi. Les artworks sont pas du tout en concordance avec l'âge. Mais genre pas un pet. J'ai déjà passé mon Skype 25 fois, sérieux. Y'a personne qui arrive à retenir 3 secondes. Y'a... Tayal croisé. Chine. Putain, mais il veut pas crever ce boss. When will you die, you bitch? Non, pas commotion. Ah! Alors, comment ça s'appelait déjà? Pas d'araignée? Même sort que le lenteur. Paf! Il était temps que tu te bouffes ça dans la gueule. Bien sûr, c'est des gentils sur mon live. Le seul gros tocard qui a rejoint le live, il s'est fait bannir de toute façon. Donc il n'y a plus de très gros tocards sur ce live. À part moi. Moi je suis le chef des tocards. Non, tu t'es fait mute, tu t'es pas fait bannir. Car il y a Skygober qui a mis mon Skype il y a pas 5 minutes. Oh mais non, mais merde. Montre les pouvoirs de Splinter Cell au monde entier. Je tiens à dire deux trucs quand même. De un, vous savez pas la tête que Kane avait dans le jeu parce qu'on l'a jamais vu sans son casque, sauf à la fin. Et de deux, justement, concernant la fin, on a vu qu'il était blond. C'est marrant, il est blond. L'inconnu est blond. Et les deux sont cochés. Oh.
Il a aussi dit qu'il faisait un entraînement spécial Shaolin, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Il vous désache, ça colle pas pour toi, mais si ça colle, bien sûr que si ça colle. Après, dans les artworks, non, ça colle pas, c'est sûr. Mais il n'y a que dans les artworks que ça colle pas. Scénaristiquement, il n'y a pas de soucis. Le triangle des armes, ça ne marche que dans les Fire Emblem, désolé.